Nos voisins, ceux des contrées plus basses, ne se privent pas de nous le rappeler à tout bout de champ. Notre Jura n'a rien d'attirant. Eh bien oui, regardons les choses en face, admettons-le une fois pour toutes. Il fait froid chez nous. Pourtant, j'en connais 100 qui ont quitté ce gris purgatoire et, joyeux, sont partis vers des cieux plus plaisants. Tous, ils ne rêvent que d'une chose. Revenir. Retrouver le brouillard, les arbres noirs, la poésie secrète qui s'ouvre aux lisières et dans la moindre pierre du moindre ruisseau. Et je suis le premier d'entre eux. Il arrivait que je passe, je sais pas, deux mois à Paris sans revenir ici. Je me souviens toujours du bonheur physique que je retrouvais à revoir de la verdure, à retrouver les montagnes, les rochers. C'était quasiment encore une grande respiration, on se sentait mieux. Bonjour, bonjour. Bonjour. Salut, ça Michel. Ça va? Très bien. Eh bien, c'est parti. Qu'est-ce que tu vois? Alors, ça va être un Meneghetz blanc, s'il vous plaît. Le Meneghetz, c'est un secret de la Casbah. Merci, santé. Merci, merci, Lucie, merci. Et il y a, mais vous le dira personne, il y a un tiers de kirsch. Non, il y a du kirsch, il y a du vin blanc, de la citronnelle et puis un grand tiers d'eau gazeuse. Voilà, et c'est l'apéritif typique de la Casbah. Si je viens ici un samedi ou un dimanche, je suis sûr, même si je donne rendez-vous à personne, je suis sûr de trouver 3-4 copains et copines avec qui je vais pouvoir parler des affaires du village. On va finir par chanter. C'est... Voilà, c'est la Casbah. C'est un tout petit chalet au-dessus de Sainte-Croix. Chalet qui a été bâti par une bande de copains dès les années 1920, des gars qui étaient ouvriers dans les usines, dont trois de mes oncles. Puis ça s'est transformé petit à petit en refuge-restaurant, dans lequel moi j'ai passé quasiment mon adolescence. C'est au bord des pistes de ski, donc on s'arrêtait à la fin de la journée, on chantait, et puis on descendait tant bien que mal à la nuit noire ou au clair de lune. Elle était venue du Piémont au milieu des années 50, en s'enlacer dans le vieux wagon, en foules impatientes. Les femmes de peine, les maçons, laissant derrière l'Italie, leur campanile et leur maison s'en venaient jusqu'ici. Parole, t'aurais cru voir une reine, son prénom c'était Giovanna. Les reins cambrés, 20 ans à peine, t'imagines nos gars. S'est retrouvée serveuse au café, à verser le vin, la nisette. Les joueurs de cartes, les assoiffés, l'ont appelée Jeannette. Giovannina, Giovanna, une vie c'est bien court. Giovannina, Giovanna, pour se parler d'amour. On sort chez soi, on connaît les vieux, on connaît tout le monde. On sait les histoires qui se passent à Sainte-Croix. Vraiment, on se sent chez soi. On va travailler en bas, mais je connais, je ne sais pas, 25 ans qui remontent tout le week-end. Il y en a beaucoup qui doivent remonter. S'ils ne remontent pas le week-end, ça ne va pas. Puis on a édifié des maisons élevées où l'on a installé de sombres ateliers qui sont devenus usines. Le temps vous assassine, vous les contrebandiers, bûcherons, braconniers. Mais qu'est-ce qui vous a pris, brave jeune de mon pays? Mais qu'est-ce qui vous a pris? Anne? Ouais? Viens.
je sais pas si c'est marqué Anne Crété. Ah non, mais ça c'est pour toi, c'est un cadeau. C'est très 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 important ça. Ah oui. Alors, ça c'est très bien. Alors. Ça fait 3 semaines que je l'attends. J'espère que c'est la bonne taille. Et ça, c'est un t-shirt. Merci patron, I love Bernard Arnault. Non, non, mais je vais le mettre là. Ben, ça va te mincir, c'est très bien. Ouais, c'est parfait. Ok, alors voilà une journée qui commence bien. Mais oui, bien sûr. Fakir. Ah, non, t'as du mal avec. Ah oui. Ah bah, très bien. Super. Voilà. Attends, ça c'est fond masse. C'est celui-là, film def. Moi, quand je suis arrivée là, je connaissais rien. Je voyais des usines vides. Il y a quand même 25 ans que je viens dans la région, que je séjourne. Et c'est vrai que quand je vois les Saintes-Cries, je comprends des choses de Michel. Michel, je l'ai tous les jours. Il y a des trucs encore, même après 25 ans de vie commune, pas commune. C'est des choses qui sont vraiment d'ici. Bubu, j'enregistre, s'il te plaît. Tu peux faire pas trop de bruit. On commence. On ne sait pas qui a filmé, mais on se rappelle encore qu'il y avait Franck, dit Hippocampe, Émile, dit Master, Jacques, le farceur de l'équipe, et Jean. Jean qu'on ne voit pas, parce que c'est peut-être lui qui tenait la caméra ce jour-là. Le film que je suis en train de faire, c'est un bout à bout, un bric-à-brac, un peu à prétention documentaire, où on reprend 50 ans du patrimoine industriel de Sainte-Croix avec des images faites par les gens. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui ont fait des films. Ça, c'est la croix du cochet en 1938. Je l'ai devant les yeux, là, en face, mon petit cochet. Ça, c'est un film postérieur. Ça, c'est un film d'entreprise de Kandar, donc de fixation. Ouais. Ouais. Donc moi, en fait, ce que je pensais... Ben, sur les années 40, c'est bon, j'ai les... J'ai de la musique enregistrée, de la moudre, que je vais encore voir pour les droits, mais... c'est plutôt sur les années un peu 50 que... Michel, son paysage, c'est les sapins. Un peu gay, genre... Et en même temps, il est solide comme un chêne. Moi, je suis la petite pâquerette qui pousse au pied du chêne et qui est nécessaire pour sa distraction et son environnement. Le chêne, sans la pâquerette, il s'ennuie. Et j'entends, Bubu. Ça, tu peux le faire. J'ai vu qu'il s'en allait, qui ne demande que du feu. Ils se contentaient de si peu, ils avaient si peu de colère. Quelle heure est-il, quel temps fait-il? J'aurais tant aimé cependant gagner pour vous, pour moi perdant, avoir été peut-être utile. C'est un rêve modeste et fou, il aurait mieux valu le taire. Vous me mettrez avec en terre comme une étoile au fond d'un trou. C'est dur. Vous me mettrez dans la cantine. Ah, c'est beau, ouais. Mais c'est beau. Ouais. C'est pas le début déjà. Le métier que j'ai fait, fait qu'on n'est jamais certain du lendemain. Moi, mon avenir, ça a toujours été 3-4 mois avant. Puis après, on ne sait pas comment ça... Peut-être que tu n'auras plus de boulot, peut-être que ça ne marchera plus. Et puis, c'est venu comme ça, quoi. Les dames avec lesquelles j'ai été heureux, on n'a pas eu d'enfants, et avec Anne non plus, mais c'est pas du tout un choix, ni d'elle, ni de moi, voilà. Anne a des neveux et nièces, c'est un peu nos enfants. Chanson anonyme du début du siècle. Ainsi à Paris, quand on s'aime, on peut se le dire sans problème, peu importe le véhicule, n'ayons pas peur du ridicule. Dites-lui simplement, je t'en prie, viens donc à la maison manger les spaghettis. Soin de soin. Bien bébé,
Oh là là, on ne peut pas chanter ça à la télévision suisse. Non. Voilà. Voilà, puis peut-être même le néolithique, c'est la période où les hommes sont sédentaires, deviennent sédentaires. Donc il y a des troupeaux, il y a des céréales de montagne, il y a effectivement des hommes qui sont là et parfois peut-être qui campent ici ou ils se tiennent ici, sur ce plateau. Ouais. Alors juste derrière la rangée de sapins, là, c'est le long village de l'Auberçon. Et puis les gens de l'Auberçon ne s'appellent pas des Aubersonnois. Exact. Ils s'appellent Cugelet et Trololo. Muriel Montandon, c'est une fille de l'Auberçon. On se côtoie depuis toujours, mais on est venu en contact il n'y a pas très longtemps parce qu'elle fait un travail extraordinaire, à mon avis, en archéologie. C'est quelqu'un qui est passionné par le passé d'ici. Et moi, ça m'intéresse aussi beaucoup de savoir s'il y a eu des gens qui ont été là avant nous, s'ils sont passés, s'ils se sont établis. Et je ne sais pas comment, elle a un sens. C'est-à-dire qu'elle regarde un paysage, puis dit « Ah, là, il va y avoir une route. Là, il y a dû avoir un hameau. Et puis là, oui, mais c'est un lieu de passage, donc on va gratter un petit peu la terre. » Les gorges de Covatane, c'était notre terrain de jeu d'enfance. Et puis en même temps, c'était... Ouais, on allait s'amuser là-dedans, on tombait dans l'eau, on remontait trempé, on allait fumer, surtout, c'était l'endroit où on allait fumer. Quand on remontait des gorges, les parents disaient « Souffle, ma grande, t'as fumé !» Puis flamme, baf. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'enfants de Sainte-Croix qui sont venus là jouer dans ces gorges. Bon nombre d'expériences se sont faites à l'abri du regard des parents, et heureusement d'ailleurs. Terrain de jeu pour Michel Buller, mais pour nous, on travaille sous autorisation de l'archéologie cantonale vaudoise, la section d'archéologie. Ce qui nous a frappé ici, c'est la quantité, vraiment la quantité importante de clous de chaussures. Donc, les clous portés durant l'Antiquité sous les caligae, les sandales romaines. Beaucoup chercheront peut-être des objets précieux, voilà. Eh bien, nous, non. À partir d'une méthode simple et peu coûteuse, finalement, on arrive à obtenir des informations absolument incroyables. Quand on fait de la recherche historique, archéologique, on est un petit peu suspendu dans le temps, on est hors du temps même. Donc c'est des instants qu'on n'arrive pas à fixer en fait, et surtout quand on y fait quelques découvertes, c'est des instants de grâce, on peut dire. Michel, j'ai quelque chose pour toi. Quelque chose, ouais. Quoi, des orchis ou des yeux de chat ou des choses comme ça, non? Voilà, peut-être un petit peu mieux quand même. Ouais, putain! T'as trouvé ça où? Un petit peu au-dessus. Par là? Ouais, ouais, par là, tu vas me dire. Tu vas pas montrer ton coin, c'est génial, dis donc. Brel parlait de Bruxelles, Ferrat parlait peut-être de l'Ardèche, je ne sais pas. Je me disais, mais pourquoi est-ce que
On va me raconter l'histoire d'un Parisien. Pourquoi est-ce que je pourrais pas raconter l'histoire de quelqu'un de Sainte-Croix? Il est aussi important que quelqu'un qui habite à Saint-Germain-des-Prés. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des chansons. C'est pour parler des gens d'ici, de mes voisins. Et j'ai le sentiment qu'en parlant des gens, c'est peut-être prétentieux, mais j'ai l'impression qu'on rend un peu de la dignité aux gens. J'aime beaucoup cette anecdote qu'on raconte à propos de Groucho Marx. On dit que quand quelqu'un le reconnaissait dans la rue, il se précipitait vers lui en disant « Ah, vous êtes Groucho Marx !» Il disait « De temps en temps. » C'est ce qui me plaît d'ailleurs à Sainte-Croix, c'est que jamais personne vient vers moi en me disant « Ah, Michel, mais quel plaisir de te voir !» Je croise les gens dans la rue, on me dit « Salut Michel !» Je dis « Salut, ça va ?» On est quelqu'un de normal. Une nouvelle chanson, ça va sortir. J'arrive sur scène, j'essaye d'être moi-même quasiment comme je suis dans la vie de tous les jours, puis je chante mes petites chansons en disant ben, « Voilà ce que j'ai vu, voilà ce que je pense, maintenant, si ça vous plaît, ça me fait plaisir. » Ce soir le temps passe trop vite, mes camarades, mes amis. Il va falloir que l'on se quitte, on était pourtant bien ici. Il faut toujours, mes frères, partir vers on ne sait trop quoi. On finira nos verres une autre fois. On finira nos verres une autre fois. Idan, Anna Filboustan, je suis dans le jardin. Moi, ça a mal. Et je vais travailler. Désherber. Ça, je sais pas comment on dit, mais c'est pas un mot que je vais utiliser beaucoup. Mais la pluie va pas tarder. Et en arabe, la pluie se dit le matar. La voiture, Sayarat. Le tracteur, je sais pas. Bon. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ça va bien? J'ai compris, mais c'est pas grave. Kif el hal? Kif el haluka? Bihayr alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. On va tout lire, kulli shay, kulli kalimat. Oui, kulli nas. Ou ba'd l'as'ila, mais un nas, kama qulna fi l'hissa sabiqa. Maman. ما معنى يمنة ويسرة؟ يمنة أين هنا؟ نعم اسم البنت أنيسة والولد الاسم الولد نبيل. نبيل نعم نعم. La lumière est rouge, la traversée est interdite. نعم. ممنون c'est interdit. Quand il est venu, je ne savais pas que c'était Michel Buller. Puis moi, je donnais des cours à une personne comme tous les autres. Mais le jour où je l'ai su, c'était une dame qui était là avant lui. Puis elle m'a dit que... Puis là, quand elle est arrivée, je lui ai dit, mais moi, c'est un honneur pour moi. Il fallait me dire ça. C'est pas Michel, ça? Chine. Ah, c'est avec trois. Non. Mm-hmm.
Le projet, ça serait que moi j'écrive une chanson en arabe. Oui, et que vous la chantez et tout. Ah oui, d'accord. Vous m'avez dit ça. Ah oui, ah, j'ai dit ça. Vous m'avez promis. Ah bon? Donc pour moi, c'est pour, fait. Moi, je années. Crois à tout ce que vous me dites. Alors, écoutez bien, jeunes gens, ne traversez pas jusqu'à ce que le chemin soit sûr. Attention. C'est une ville rouge où souffle l'harmattan. C'est une ville rouge, sans hiver ni printemps. Au pied de la mosquée rêvent des hommes bleus. Le temps s'est arrêté depuis longtemps pour eux. Un chameau passe lent, loin sur la plaine rase. Puis le soleil descend et l'horizon s'embrase. Le vent soulève un peu le sable et puis s'apaise. Brûle de vagues feu. Sous les porches de glace. Il n'y a jamais soleil, hein, là. Ah ouais. Là, on le voit bien. Sarah, Sarah, silence et dune. Sarah, Sarah. Ah, ils sont déjà là. Étoiles et lunes. Il était retourné à sa voiture, puis il était gelé. Ah, c'est juste. C'est Pierre-André qui avait dû aller le secouer. Mais il était froid. Hein. Mais c'était aussi une oreille de bête. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un, oui. Oh, magnifique. On n'est pas venu pour rien. Un rouge d'Ivoire. Bah attends, on va boire du rouge, on va boire du blanc, là, ce qu'il y a. Puis on passera au rouge. Tu fais attention à ta santé. Il y a qui boit du rouge, peut-être. Alors, viens, hein. Hein? Alors ça, c'est le livre d'or du Becquet, de la cabane du Becquet, de la cabane à Pierre-André. Voilà. Mais le y vivra, lui. Pas bon. Puis ben, c'est la preuve que le Becquet, c'est pas la première fois qu'on y vient. J'avais même écrit une chanson du Becquet, dont j'ai oublié aussi la musique. C'est des histoires d'amitié, de copains. Quoi. Le sentier est étroit pour repartir, parce que vous allez voir tout à l'heure en repartant que c'est pas facile. Si on faisait santé, ça reviendrait. T'as allumé ton feu, hein. C'est bon, on pourra manger. Ah, il est merveilleux. Ouais. Je sais pas ce qu'on va en faire. Santé. À la vôtre. Hein. T'es pas brûlé les doigts. Qui ça arrive. Il mangeait un truc fondu, il repartait. Partout. Mais bon, ça s'est pas fait souvent. Hein. Du reste, il y en a beaucoup qui auraient voulu construire une cabane à Pierre Justin. Ah ouais. Mon père, il avait fait une lettre à la municipalité pour demander l'autorisation de la construire ici. Puis c'était le gros épée. C'était un gros épée. Ouais, je me rappelle ce épée. Ouais. Avec sa grosse bagnole, sa grosse Mercedes. Ils sont arrivés là en dessous, il a dit c'est où? Il a dit c'est là-haut. C'est bon. Et ça ne se passerait pas comme ça. Mais... On avait organisé un truc qui s'appelait la chorale du Becquet. Donc le Becquet, c'est ici. Et on était, je sais pas, 7-8, ouais. Voilà, pour chanter des vieilles chansons. Et voilà, puis là, on se retrouvait sérieusement tous les mois, je sais pas. Ouais. Tous les mois, ah, ouais. On peut la chanter, hein, s'il y a que ça. Tu crois? Oui, oui. Ouais. Voici le jour, la montagne s'argente, le glacier lui comme un vaste miroir. Allons, allons, épouse diligente, ma carabine et mon vieux chapeau noir. Prépare aussi mon petit sac de toile, mais y du pain, c'est tout ce qu'il me faut. Pourquoi pleurer, n'ai-je pas mon étoile? Quelqu'un me gardera là-haut. Pourquoi pleurer, n'ai-je pas mon étoile? Quelqu'un me gardera là-haut. Le bonheur pour quelqu'un qui écrit des chansons, c'est de voir ses chansons partir, vivre leur vie, puis voilà, débrouillez-vous les filles, vous êtes libres maintenant, vous êtes grandes. Alors, les chansons, peut-être bien que c'est des filles, parce qu'on les aime comme des filles, comme on peut être amoureux des filles, on peut être amoureux des chansons. L'herbe, la roche, la rivière, pour nous, toute chose est sacrée. Le ciel écoute nos prières,
il fait refleurir nos étés. La sève garde ma mémoire, la brise raconte l'histoire de notre peuple à nos enfants. Et l'eau, ce n'est pas que de l'eau, c'est ma sœur douce à mon canot qui frémit au moindre courant. Dans le sol dorment nos anciens, ainsi parlait un vieil indien. Je ne sais plus qui disait qu'il faut avoir l'élégance d'être heureux. Alors on essaye d'être élégant.